Aksabaktir J'ai gagné beaucoup d'argent. Minalmal. Ah ouais, ça marche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir si je sais parler arabe en compagnie de Mustapha. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être sur Google Traduction, je vais écrire des mots en français, je vais les traduire en arabe, je vais les prononcer, et lui qui parle couramment arabe, on va voir s'il arrive à trouver ce que j'ai dit. C'est parti. Il va tricher, hein? Il va tricher. Alors première phrase. Anna... Oh là, mais comment on prononce ça? Anna Abn Malik Al Maghrib. Ah, je suis le fils de le roi de Maroc. Il a trouvé, c'était ça. Premier point. Premier point, un point pour lui. J'ai trouvé une phrase intéressante. Seconde phrase. Anna akl alka fi wajbat alif tar. Là c'est dur là. Je suis quelque chose, le petit déjeuner. Ah presque. Je sais pas c'est quoi. Je vais te donner un indice. Oui. C'est Moumou. C'est un rapport. Moumou c'est le nom de mon chat. Je mange de grosses quantités de. Dans le petit déjeuner. Presque. Il est pas gros, mais il y a le mot. Nico. Le chat, il y a le mot chat dedans. Ah bon? Je mange avec Moumou. Avec Moumou. Presque. Non, c'était. Je mange des chats au petit déjeuner. Ah ouais. Voilà. La phrase classique. Un partout. Troisième manche. Alors attention, je vais lui dire une phrase que je lui avais déjà prononcée sans faire exprès une fois. Il avait trouvé ce que c'était alors que je savais même pas ce que ça voulait dire. Triche pas, hein? Anna Al-Sifr Mouakarati. Je... Quoi? Le dernier mot c'est Mouakarati. Je sais pas si la prononciation est bonne. Mouakarati. Ouais, ça. Je... quelque chose... mon fesse. Ah, c'est ça, presque. Quelque chose... Une fois je t'avais dit chèque. Ah ouais, j'ai... Je gratte mon fesse. C'est ça. Bien joué. 2-1. Il y a 2-1 pour Moustaflex. Ouais, parce que c'est Moustaflex dans le game, hein, si vous connaissez pas, maintenant vous savez. J'ai trouvé une quatrième phrase, elle va être très bien, je le sens. C'est long, hein. Ah là c'est long, il a entendu taper. Ça va être chaud à prononcer. Altawajin Kl... Yaoun... Oh non, mais c'est impossible. C'est impossible. Altawajin... Altawajin, ça veut dire le pleurir des intagés? Non? Ouais, c'est ouais, ça. Yaoun... Ij... Ilai... An... Yakul... Liaeshi... Tawilana. Ah, si tu trouves... Si tu trouves... Je mange l'otagine... Long temps. Ouais, c'est pas mal. Mais là, la phrase est un peu compliquée, donc je sais pas si tu vas trouver. Tu peux répéter? Je répète. Altawajin kle yam ij... C'est trop dur, c'est impossible à prononcer. Yam ijdin el... C'est comme turc, ça. Ouais, c'est du turc, mais ouais, c'est impossible. La fin de la phrase, c'est... An yakul liaish tawilana. Je mange beaucoup de tajine pour vivre long temps. Oui. Putain, t'as trouvé quoi? C'est vrai? Mais c'est ça! Ouais. Putain, il... 3, 1. Je me fais lyncher. Allez, cinquième phrase. Allez, on va mettre une petite phrase troll. Troll, tu sais, c'est troll, c'est... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Adab Ilana Alkanisat Klyamn Ad. C'est trop facile. Je pars chaque dimanche à l'église. Mais comment tu fais pour deviner? Je prononce trop mal. Bah Vassili, ça fait plus de 15 minutes que t'es là, maintenant tu décanilles ou tu meurs en fait. C'est quoi ça? Ah, c'est le jeu qui est lancé. Ah mince, attendez, je quitte Arma 3. 4-1, putain, je me fais détruire. Avouez que c'est impossible à deviner si vous parlez arabe derrière votre écran. Est-ce que vous auriez deviné? Dites-le moi en commentaire. Sixième phrase, c'est parti. Anna YouTuber Almi... Alminiat Mustapha. Je suis un youtubeur. Quelque chose de c'est facile. Ah, j'ai peut-être gagné un point. J'ai gagné le point, je crois. Oui. 4-2. 4-2. Septième phrase. C'est parti pour la septième phrase. Alors attention, ça va être une boucherie. Latakul Almaïs. Don't manger des... Don't manger, c'est le mix entre l'anglais et le français. Comme les singes de montagne. Les singes? Les singes de montagne. Les singes de montagne. Les chèvres. 2,5, toi, 2,5. Voilà. On fait comme ça. On part sur la huitième phrase. Alors c'est parti pour la huitième phrase, attention à vos oreilles. Ladaï ratib laib kouarat k
Kadam. Quelque chose de foutu. Ah, je sais pas. C'était j'ai le salaire d'un joueur de foot. Là, tu gagnais ça. 3,5. Le match va aller jusqu'à 10, comme ça on verra qui a gagné. Mais là, j'ai envie d'écrire un truc, mais je sais pas si j'ai trop le droit ou pas, parce que c'est limite, tu vois. Oui, je donne l'autorisation. Ah, j'ai l'autorisation, c'est lui qui l'a dit. Alors c'est parti pour la phrase numéro 9 qui risque de me faire détester par certains. Anna Akl Alkinzir Fi Halai Sirana. Moi, je mange le porc. Mais quelque chose, la fin, j'ai pas compris. Ah mince, bah je redis la fin. Putain, il a trouvé. Filail. Filail Sirana. Filail, c'est-à-dire la nuit. Je mange le porc la nuit, j'ai pas compris. C'était... On va dire que je vais t'accorder le point parce que t'as quand même trouvé alors que je prononce très mal. La phrase c'était « Je mange du cochon le soir en cachette ». Ah ouais. Voilà, je m'excuse pour cette phrase mais je devais faire au moins une fois cette blague. Ça va falloir que je trouve un truc très compliqué pour espérer remporter le point. C'est bon, j'ai trouvé pour la dernière. La dernière avec 2 points. Ok, 2 points pour la dernière, c'est parti. Tu vas jamais trouver. En plus, il me propose directement le truc. Ça se trouve c'est un proverbe arabe, alors je sais pas. Aladjar. Al-Mutadawil Yajmae Aï Al-Taïb. J'ai pas coffré. Tu peux répéter? Je répète. Ok, je répète. C'est comme la chinois, ça. Tu m'étonnes. C'est un proverbe français, un peu, tu vois. Al-Hajar, c'est-à-dire les cailloux? Ouais, c'est ça. Il y a des cailloux. Les cailloux, ils ramassent les... Les étudiants, non? Les cailloux, hein, c'est génial. Parce que là, ça va vraiment être compliqué. Je pense que je vais te la mettre à haute voix, et même à écouter en arabe. Oui. Et on va voir si tu arrives à deviner. Ça va, ça va. Okay. Même en faisant ça, je sais même pas s'il va trouver. Ça veut dire les cailloux ramassent les algues. Voilà, c'était Mustapha. Dans cette petite vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Vous pouvez laisser un petit like si vous avez kiffé. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans de nouvelles aventures toujours plus extraordinaires. À la prochaine. Au revoir. Da 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 da